Chers internautes, bonjour et merci de nous rejoindre sur la chaîne Sport de TVTMJ. Rubrique football, vous allez découvrir notre sélection TVTMJ. Ils sont issus de plusieurs clubs et évoluent dans différentes catégories. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year is gonna be called Gaiocho. Que hola gata, que hola omega. And this is how we gonna do it. Dale! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. To the top, yeah. Pit got it locked from Goose to the lock, yeah. So R.I.P. a big in Parker, that he's not, but damn he's hot. Label yeah. Flop, but Pit won't stop, got her in a cockpit playing with Pits. Je m'appelle Rodney Domoni, je joue à l'histoire en milieu gauche, j'aime bien Arsenal, et mon préféré joueur est David Villa parce qu'il marque beaucoup de buts. With a monkey, look like King Kong. Welcome to the crib, real fast. That's what it is with the women down here. All the shit. They don't play games, they off the chain. And they love to do everything and anything. And they love to get it in, get it on all night long. Je m'appelle Dorian Agley, je joue à Sosor en tant que gardien. Mon club préféré est Montpellier et leur joueur préféré c'est Alberto Costa parce que c'est un excellent tireur de coup. Bonjour, tu t'appelles comment ? Je m'appelle Dylan Johnson, j'ai 10 ans, j'aime bien défendre et je suis hollandais. Je joue à la Combelle, j'aime bien le Real Madrid, j'aime bien Cristiano Ronaldo parce que il fait des beaux dribbles, il est fort. Très bien, je te remercie, tu pourras prendre ton ballon. Et... Alors, tu t'appelles comment ? Timéo. Timéo comment ? Jacqui. Alors, tu joues dans un club ? Oui. Ah ouais, ça veut comment ton club ? L'Équin. Et à quelle place tu joues ? Lille. Oui, d'accord, donc tu joues dans ce club, tu joues à un poste, tu as un petit poste déjà ? Oui. Quel poste ? Attaquant. Attaquant, est-ce qu'il y a un club que tu aimes bien ? Marseille. Marseille, et un joueur en particulier ? Oui, Ribéry. Ribéry, pourquoi ce joueur ? Parce que c'est un bon buteur. D'accord, allez, je te laisse repartir avec le...
pardon ? Mathis, Gruchon. Oui. Tu joues dans un club ? Oui, Brésilie. À quelle place ? Tu joues devant, derrière ? Devant. Ouais. J'aime bien Lyon. Olympique Lyonnais, très bien. Il y a un joueur en particulier ? Coupé. Ah, pourquoi Coupé ? Parce que... C'est bon. C'est un super gardien de but. Hein. Ok, allez, je te laisse repartir avec ton ballon. Alors, tu as quel âge ? J'ai 7 ans et 3 quarts. Tu joues dans un club ? Je joue dans l'équipe de La Machine. Oui, à quelle place ? À La Machine. Tu joues attaquant, derrière ? Attaquant. D'accord. Je joue attaquant. Et une équipe que tu aimes bien ? Oui, j'aime l'équipe de l'Hollande. Les Pays-Bas, l'équipe des Pays-Bas, oui. Et mon joueur préféré, c'est Van Persie. Qu'est-ce qu'il joue comme place ? Il joue au milieu et c'est un bon... Et c'est très bien conduire la balle. Ok, allez, je te laisse repartir dans notre cage. Vas-y. Can you feel it? 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 Can you feel it?
petit. Alors, il faut prendre comme habitude. Alors, ceux qui jouent devant, donc je vais vous donner des positions sur le terrain. Ceux qui jouent devant, il faut absolument que devant, ils fassent ce qu'on appelle un pressing. Alors, c'est quoi le pressing? Ça veut dire qu'on va embêter l'adversaire. Quand on est devant, les deux suites, on va aussi prendre le ballon. D'accord? Mais comme vous êtes assez jeune, je ne vais pas vous demander de redescendre, sinon vous allez trop fatigué. Donc, Cuneo, tu vas jouer très haut devant, ça récupère un petit peu quand tu as redescendu. Ça va mieux? Ouais, c'est sûr. Alors, on va tourner, toi tu vas m'aider à défendre, et tous les deux vous allez jouer très haut. Ça veut dire que vous ne redescendez pas, d'accord? Mais que devant vous faites le travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vous les premiers défenseurs, c'est vous qui avez fait les premiers. Et dès que vous avez le ballon, s'il y a une occasion, il faut frapper au but. Il ne faut pas chercher à redonner dans l'arrière, quand il y a une occasion, il faut y aller, il faut frapper. Ton but, c'est marquer. Non, c'est trop faire, ok? Mais si tu vois que tu es bloqué, qu'est-ce que tu fais? Si tu es bloqué, tu fais une passe, ben, tu vas jouer devant, et tout de suite, tu dois attaquer pour essayer de récupérer le ballon. Mais tu ne reviens pas derrière, d'accord? Dès que tu as le ballon, si tu peux, tu frappes. D'accord? Tout de suite. Si tu as de la poignée, tu n'auras pas beaucoup de place pour avancer, hein, parce que derrière, tu vas embêter tout de suite. Donc dès que tu as un peu de place, boum! Comme les Hollandais savent faire, ils ne se posent pas de questions, ils ont une occasion, boum! Ils frappent. Ils jouent comme les Hollandais. Les Hollandais, quand ils ont une occasion, ping! Ils frappent. Ils ne cherchent pas à jouer comme les Brésiliens ou les Français qui vont faire. Ils passent dans la surface. Tu vois, t'es un attaquant. Boum! Tu essaies d'avoir le but de suite. Tant pis si tu rates. On fiche. Essaye. D'accord? Dylan, tu es plus un défenseur. Quand tu vas derrière, tu vas embêter les attaquants. Tu vois, tu touches le ballon. De suite, tu dois être de suite. Toi, tu vas organiser un peu. Tu vas faire le piston entre derrière et devant. Tu laisses Marcus Sven, d'accord? Tu essaies de le trouver. Tu vois bien que tu es au-dessus, tu es plus âgé, tu es plus au ballon. Bon, ça sert à rien que tu essaies de marquer tout seul. De toute façon, je serai là pour t'embêter. Sinon. Donc, non. Le gardien, tu essaies de jouer au maximum au pied. Relance vite, touche pas à la main, quoi. D'accord? Ok? Alors, de mon côté, tous les deux, vous jouez toi à gauche, toi à droite. Et n'allez pas tous les temps du même côté. Sinon, il n'y a plus personne de l'autre côté. D'accord? Voilà. Sur le porteur du ballon, vous savez ce que c'est le porteur du ballon? C'est celui qui a le ballon. Sur le porteur du ballon, il doit toujours y avoir deux solutions. Les solutions, c'est les copains à qui il peut donner le ballon. Une solution toujours derrière, ça s'appelle, comment ça s'appelle une solution derrière? Vous savez comment ça s'appelle dans le foot? Une solution derrière, ça s'appelle un soutien. Quand je peux donner le ballon à un copain qui est derrière moi, c'est un soutien. C'est très, très utilisé dans le foot. N'hésitez pas à donner le ballon derrière quand on est bloqué. Hein? Et une solution au moins à côté ou devant. Si c'est à côté, on appelle ça un appui. Appui. Je m'appuie avec un copain. Et si c'est un copain qui est devant, là, qui file au but et qui veut le ballon, eh bien, ça s'appelle un appel. Il fait un appel de balle. Appel. Il veut le ballon. Il parle pas. Hein? Mais comme il bouge, je comprends qu'il veut le ballon. Vous comprenez? S'il se met à courir devant, on n'est pas idiot, on a compris. Ça veut dire qu'il veut le ballon, donc il fait un appel de balle. D'accord? Toi, il faut que tu fasses des appels devant, il faut que tu bouges. D'accord? Tu ne reviens pas derrière chercher les ballons, mais tu fais des appels devant. Et dès que tu as le ballon, boum, 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 tu cherches à frapper. Tu cherches tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok? Voilà, et vous allez voir, ça donne du beau jeu, ça. Parce que le ballon, il circule, voilà, c'est du joli foot, ça. Hein? D'accord? Ok? Et à la fin, j'autoriserai le dribble, mais vous verrez déjà, le dribble, ça va être moins joli. Je le vois. Allez, c'est parti. Allez, salut, je vais vous jouer ici, Samine. C'est parti. We'll be right back.
Allez, faut pas le dernière occasion là. Oui. Et voilà, ils ont égalisé, fin du match. 4-4. Ouais, applaudissements du public là, allez. Ouais, ils applaudissent. Bravo. Bravo, 4-4. Voilà, dès qu'on a la première sélection, qui viendra se compléter par de nouveaux joueurs au prochain stage. Sympa le clip, non? Et en plus, chaque joueur qui participe à nos tournages recevra le DVD de son séjour, un souvenir unique pour la vie. Alors, à bientôt, salut! Thank you.
sur le ballon.